Le manque de confiance en soi, c'est un véritable problème. Mais c'est quoi le manque de confiance en soi? Quand on regarde, la plupart des gens s'en sortent parfaitement, s'en sortent très bien. Sauf que ils ont toujours cette peur de l'échec. Et cette peur de l'échec, c'est comme la muraille de Chine. La peur, c'est comme la muraille de Chine. On ne peut pas y aller au-delà. Mais par contre, on peut la contourner. Pourquoi on n'a pas confiance en nous? Généralement, c'est relié à notre enfance. C'est relié à notre entourage. On a été rabaissé. On n'avait pas confiance en nous. Donc, du coup, on n'a pas confiance en nous. Moi, ce que je vous conseille, c'est que la peur, c'est tout simplement de l'ignorance. Le manque de confiance en soi, on peut le dépasser. Chercher des informations à gauche et à droite. Aujourd'hui, on a la technologie. On a l'Internet. Même si on n'a pas à côtoyer des gens qui nous ont rabaissés dans le passé, on peut aller chercher ces informations sur les réseaux sociaux. Donc, le manque de confiance en soi, c'est tout simplement de la peur de l'échec. N'ayez plus peur de vous, n'ayez plus peur des autres, parce que votre véritable échec, c'est vous-même. C'est le fait que vous ne voulez pas avancer, c'est le fait que vous avez peur, c'est le fait que vous n'acceptez pas l'échec. Vous tombez, vous relevez. Donc, il faut dire une chose, c'est que j'ai confiance en moi, et comment j'ai confiance en moi? Je ne dois pas rester dans l'ignorance. Je ne dois pas rester dans la peur. Donc je dois vaincre ma peur. Je dois dire, je ne compte sur personne. Si je dois avoir quelque chose, je dois aller le chercher. Donc le manque de confiance en soi, c'est tout simplement de la peur. Donc n'ayez plus peur et allez de l'avant. Merci beaucoup.